Toi, tu es un Touareg. Qu'est-ce que ça veut dire être Touareg? Mais c'est d'abord une image, en Europe, là encore, il y a une image un peu, une belle image, certainement, mais la vie du nomade ou la vie du Touareg n'est pas toujours aussi facile, n'est pas toujours aussi belle, parce qu'il est confronté à des problèmes d'eau, des problèmes de pâturage, des problèmes de survie, parce que le désert, c'est quelque chose de très dur et très fort, et il faut s'adapter au désert. Nous sommes au Ténéré, comme tu dis, c'est le plus beau désert du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Ténéré est pour moi certainement le plus beau désert du monde. Et puis en Europe, très souvent, on imagine le désert comme quelque chose de plat, de monotone, alors qu'il n'y a rien de plus varié qu'un désert. Comme on le voit ici à Orida, c'est toujours un spectacle de formes, de jeux de lumière et de couleurs qui sont quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien qui puisse être plus varié qu'un désert. D'une heure à l'autre de la journée, c'est la même dune peut avoir des formes et des couleurs différentes.